Nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence. We spoke about the renewing of the mind. Prochainement, nous parlerons du brisement. Next time we talk about the brokenness. Mais aujourd'hui, but today, nous allons introduire un aspect du brisement. We are going to introduce an aspect of the brokenness. Juste un aspect. Just an aspect. La libération de l'esprit. The release of the spirit. Parce que c'est nécessaire pour chaque enfant de Dieu. Because it is necessary for each child of God. La Bible dit de marcher. La Bible demande de marcher selon l'esprit. The word of God tells us to walk according to the spirit. Vous notez ceci. Note this. Dans le monde, in the world, les hommes accordent beaucoup d'attention à l'emballage extérieur. Men, people grant much attention to the external wrapper. Tu peux avoir un produit. You can have a product. Tu vois le flacon, la boîte dans laquelle on met le produit est très belle, très jolie. You can see that the bottle in which the product, the bottle that contains the product is very beautiful. On peut même avoir peur de détruire cette boîte-là. You can even fear to destroy that bottle. Mais pour utiliser le produit qui est à l'intérieur, but to use the product that is inside, il faut détruire cet emballage. You must destroy that bottle. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. And that's what the Holy Spirit does. Il y a la vie de Dieu. There is the life of God dans le croyant. In the believer. Il y a la vie de Dieu dans le croyant qui a reçu le Saint-Esprit. There is the life of God in the believer that has received the Holy Spirit. C'est toute la vie de Dieu mais déposée en lui en miniature. It's the life of God but deposited in him. Et cette vie doit grandir. And that life must grow. Doit sortir pour couler. Must come out to flow. Il est dit que les fleuves d'eau vive couleront du sein des saints, c'est-à-dire des enfants de Dieu. It is said that waters of rivers of living water will flow from the holy ones. That is the children of God. L'homme est l'homme intérieur. The inner man est enveloppé par une intelligence naturelle. Is wrapped with a natural intelligence. Il est enveloppé par des émotions naturelles. It is surrounded by natural emotions. Même son langage est naturel. Even his language is natural. Il veut servir Dieu avec une force naturelle. He wants to serve God with a natural strength. Il s'appuie sur les atouts naturels. He leans on natural advantages. Il s'appuie sur sa personnalité. He leans on his personality. Quand on lui donne du travail, il pense à ses relations. When he is given a work, he thinks about his relations. Il pense à son habileté. He thinks about his ability. Il pense à sa position. He thinks about his position. Et il reste donc dans une coquille. So he remains in a nutshell. C'est-à-dire que son homme intérieur est comme dans une coquille. His inner man is just like in a nutshell. Vous prenez Jean chapitre 12 verset 24. Let us take John chapter 12 verse 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. John 12 verse 24. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Amen.
Écoutez très bien. Listen carefully. Nous avons parlé du dépouillement. We are going to talk about putting off. Nous avons dit que dans le dépouillement, we have already talked about putting off, and we say that in putting off, l'homme se débarrasse, se sépare de ses atouts. Man get rid of his advantages. Il renonce à sa grandeur. He renounces his greatness. Nous avons dit que beaucoup pensent au péché quand ils parlent de dépouillement, ils pensent au péché. We said that many people, while talking about putting off, they think about sin. Le problème du péché se règle à deux niveaux, la repentance et la sanctification. The problem of sin is settled at two levels, repentance and sanctification. Le problème de la conversion, c'est-à-dire le problème de la volonté de Dieu. The problem, the question of conversion, that is the la question of submission à Dieu. The will of God, the submission to the will of God. Se résout au niveau de la conversion à Dieu. Is resolved at the level of conversion to God. C'est à ce moment-là que l'homme décide de marcher selon la volonté parfaite de Dieu. It is at that time that man decides to walk according to the perfect will of God. Mais il a déjà réglé le problème des œuvres de la chair. But he has already resolved the problem of the works of the flesh. La fornication. Fornication. L'adultère. Adultery. La masturbation. Masturbation. Il faut régler tout ça à la repentance. All these need to be resolved at the level of repentance. De telle sorte que on ne voit plus tes membres manifester ces choses-là. So that we can no more see your members manifesting those things. En vérité, je vous le dis. Most assuredly, I tell you. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. Mais s'il meurt, but if he dies, il porte beaucoup de fruits. It produces much fruit, much grain. Dans le brisement, as brokenness, il y a quelque chose que j'ai enseigné, mais qui n'était pas correct. Something has been taught which was not correct. J'avais enseigné, I taught that, et beaucoup de personnes l'ont fait. And many people also did it. Il ne faut jamais prier en disant Dieu brise-moi. That we should never pray saying, oh Lord, break me. Et je disais aux gens, I used to tell people, chacun se brise. Each one should break himself. Or, là, c'est la confusion. And there is a confusion. On peut se dépouiller. We can strip yourself mais off. Le brisement est un plan d'action de Dieu. But brokenness is an action plan of God. Dieu a prévu, God planned, qu'il va briser son serviteur. That he will break his servant. Il n'y a aucun frère qui sera épargné. No brother will be spared. Et puis ça ne ratera jamais. Ça ne va pas rater. It will never fail. Ça peut prendre du temps chez certains. It can take time with some. Chez certains, ça peut être progressif. For others, it can be progressive. Chez d'autres, c'est radical et brutal. For others, it is radical and mais brutal. Dieu le fera toujours. But God will always do it. Le grain de blé tombe en terre. The grain of wheat falls down. Il faut qu'il meure. He must die. Pour pouvoir porter du fruit. In order to bear fruit. Et donc il y a deux choses. So there are two. Il faut things. Qu'il tombe. He must fall down. À terre. In the ground. Et il faut qu'il meure. And he needs to die. Allons rapidement dans Ésaïe 53. Let us go rapidly in Isaiah 53. Commence au verset chapitre 53 à partir du verset 1, Ésaïe. Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante.
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Tu lis jusqu'au verset 10. You go up to verse 10. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Est-ce qu'on dit que Jésus s'est brisé lui-même? Here, do we say that Jesus broke himself? Ça, c'est la différence. So here is the difference. Dans le dépouillement, in stripping, c'est toi-même, you yourself, pour montrer que tu aimes Dieu, to show that you love God, tu te dépouilles, you strip yourself, tu te repens du péché, you repent from sin, tu te dépouilles de tout ce qui peut t'empêcher de courir, you put off, d'aimer Dieu, you put off all that can hinder you from running and love God. Et l'exemple nous a été donné par Paul, par le Seigneur Jésus lui-même. And the example was given by by Paul and the Lord Jesus himself. L'exemple de Paul est dans Philippiens chapitre 3. In the example of Paul is in Philippians chapter 3. L'exemple du Seigneur Jésus est dans Philippiens chapitre 2. The example of the Lord Jesus is in Philippians chapter 2. Paul dit qu'il a considéré les tout ce qu'il avait, il a considéré ça comme une perte quand il a rencontré Jésus. Paul said that all that he possessed, he saw it as a loss. Et il a regardé toutes choses comme une perte parce qu'il a connu le Seigneur. And he considered everything like a loss because he knew the Lord. Et il a considéré toutes choses comme de la boue. Comme de la boue parce qu'il veut gagner Jésus. And he looked everything like mud because he wanted to win the Lord Jesus. Et dans Philippiens, on dit Jésus s'est dépouillé lui-même. And in Philippians it said that Jesus stripped himself off. Lui-même. Himself. Il a renoncé à tout lui-même. He renounced all. Himself. Il est devenu semblable à l'homme. Il a choisi d'être comme un homme lui-même. He chose to become like a man himself. Et il s'est rendu obéissant lui-même. And he became obedient himself. Mais le traitement, but treating, qui permet à l'homme d'être pur. The treatment that allows man to become pure. Dans become la réflexion, clean, dans la pensée. In the thought. Qui casse ce sur quoi l'homme peut s'appuyer. That breaks that which man can lean on. C'est le Père même qui a affligé ça. It is.
qui frappe. It is God the Father himself who strikes. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est Dieu qui brise. It is God who breaks. La leçon ici, c'est que tu ne peux pas échapper. The moral here is that you cannot escape. Ça peut être progressif. It can be progressive. Ça peut être radical. It can be radical. Mais ça aura lieu. But it will happen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. It pleased the Lord to break him through suffering. Pour certains, Dieu utilise les railleries des païens pour te briser. For some, the Lord uses the mockery of unbelievers to break you. Pour d'autres, c'est la souffrance. For others, it is suffering. Pour certains, cette souffrance peut être une maladie. For some, this suffering can be a sickness. Pour d'autres, ça peut être un grand chômage. For others, it can be a great unemployment. Pour d'autres encore, ça peut être une grande injustice des hommes. For some others, it can be a great an injustice of men. Permanemment dans un grand, tu vis permanemment sous un grand complot des païens. You live permanently under a great plot of the unbelievers. Mais tu ne seras jamais détruit. But you will never be destroyed. Parce que le but n'est pas de te tuer. Because the purpose is not to kill you. Dieu laisse pour que tu deviennes mûr. God leaves things like that for you to become mature. Que ta foi devienne pure comme de l'or. That your faith become pure like gold. Et que la vie de Dieu qui est en toi puisse couler. So that the life of God that is in you can flow. Donc Dieu peut être infligé châtiment, punition. So God can lead a punishment, a chastisement successivement. Successively. Les gens peuvent croire que Dieu t'a abandonné. C'est people là. Can may believe that God has abandoned you. La prophétie d'Isaïe dit que les gens pensaient que l'Éternel avait abandonné son fils. The prophecy of Isaiah shows that people thought that the Lord has abandoned his son. Pourtant, c'était Dieu qui le traitait de cette manière afin qu'il puisse accomplir son but. Yet, he was treated this way by God for him to accomplish his purpose. Dieu, tu peux demander à Dieu, Seigneur, brise-moi. You can ask God, oh Lord, break me. Il va donc organiser ça. He will therefore organize this. Il peut t'amener dans un désert. He can take you into a wilderness. Un petit séjour dans un désert. A little stay in a wilderness. Tu commences à confesser la vie n'est rien. You start confessing life is nothing. Que c'est Dieu qui est tout. That it is God who is all. Un petit séjour. A little stay dans un désert. In a wilderness. Tu commences à chanter les psaumes qui sont comme les psaumes de David. You start, on se demande c'est David qui a chanté ça ou bien c'est lui. You start singing psalms like those of David, and this will be like those of David in such a way that people will ask themselves if it is this from David or from you. Je me repens d'avoir enseigné que on ne doit pas prier comme ça. I repent to have taught that we should not pray that way. Dis à Dieu, brise-moi. Tell God, break me. Il va le faire. He will do it. Mais ne lui dis pas dépouille-moi. But do not tell him, strip me off. Il va te dire, fais-le toi-même. He will tell you, do it yourself. Pierre a dit à un magicien de prier pour demander pardon à Dieu. Il dit, prie pour moi toi-même. Peter asked the magician to pray, to ask God to forgive him. He said, pray for me, you yourself. Ce sorcier devait prier lui-même. That sorcerer should have prayed himself. Pour être sauvé. To be saved. Est-ce que nous sommes ensemble?
Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. It pleased the Lord to break him through suffering. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. After delivering his life into sacrifice for sin. Qu'est-ce qui se passe? What happened? L'acte de consécration vient toujours avant l'exigence de brisement. The act of consecration always comes before the brokenness. Dieu a livré son fils pour être sacrifice. God delivered his son to become a sacrifice. Et puis, and il le brise. And he breaks him. Pourquoi? Why? S'il n'y a pas de brisement, if there is no brokenness, il ne va pas accomplir ce sacrifice. He will not accomplish this sacrifice. Toutes les promesses que Dieu avait, que Jacob avait faites à Dieu. All the promises that Jacob, tous les vœux, tous les all vœux, the vows of Jacob to God, c'était des formes de consécration. There were forms of consecrations. Mais sans brisement, but without brokenness, aucun vœu ne peut s'accomplir. None of them can be fulfilled. Parce qu'il va passer le temps à fuir tout ce qui est difficile. Because he will spend his time running away from all that is difficult. Chacun se protège, croyant que s'il fait encore un effort, il va mourir. Donc, tu vois les gens qui tournent à certains rayons, ils ne vont pas loin. Ils ont peur de la mort. Each one is protecting himself, saying that if I want to do favor, I will die. So you can see people turn it around, they cannot go far. Chacun veut vivre longtemps sur la terre. Each one would like to live longer on earth. Et la parole dit que Jésus est venu délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient gardés toute leur vie sous l'esclavage du diable. And the word of God declares that Jesus came to deliver all those who, for fear of death, were kept slaves of death. Si tu discernes, if you discern, que la main de Dieu pèse sur toi, that the hand of God weighs on you, d'abord il faut rendre grâce à Dieu. First of all, you must give thanks to the Lord. Et il faut rester. And you remain. Jusqu'à ce que tu sois humilié, brisé. Until you are humbled and broken. Dis amen. Say amen. Pardon, lis pour nous. Read for us. Naomi. Pas Naomi, Naomi 1, verset 12. Naomi 1. Je lis le verset 12. Read verse 12. Naum, chapitre 1, verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Amen. Ben, il dit, je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Ça, c'est comme ça que Dieu traite les questions de brisement. I want to humble you so that you no more need to be humbled. Ainsi parle l'Éternel. Quoiqu'un tact est nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Lisons dans Jean chapitre 6 verset 63. Let us read in John chapter 6 verse 63. Jean chapitre 6 le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. John chapter 6 verse 63. It is the spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Il ne faut pas bloquer l'œuvre de l'esprit dans ta vie. You must not block the work of the spirit in your life. La chair ne produira rien. The flesh profits nothing. C'est l'esprit qui donne la vie. It is the spirit that gives life. C'est l'esprit qui manifeste la vie. It is the spirit that manifests life. Si l'esprit n'est pas libéré,
If the spirit is not released dans ton homme intérieur, in your inner man, il n'y aura pas de vie qui coule de toi. There won't be any life that flows from you. Il n'y en aura pas. There won't be. Lis pour nous 2 Corinthiens chapitre 4. Read for us 2 Corinthians chapter 4. Lis le verset 14. Read verse 14. Du verset 14 au verset 18. From verse 14 to verse 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14 à 18. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrivera à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Frère, il y a une relation étroite. Brethren, there is a narrow relation entre les souffrances between the sufferings et la libération de la vie de Dieu. And the release of the life of God. Il y a une relation étroite. There is a narrow relation entre les souffrances, les afflictions, between affliction and sufferings, et le développement de la vie de Dieu en nous, and the development of the life of God in us. Quand l'homme extérieur se détruit, when the outer man is destroyed, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. The inner man is renewed from day to day. Tout ce qui supporte, all those who bear le chemin de la souffrance, who stand the way of suffering, que Dieu fraye devant eux, that the Lord paved before them. Ce n'est pas qu'ils aiment, ils aiment tellement la souffrance qu'ils courent l'embrasser, non. It's not that they so love suffering that they run to embrace it. C'est que Dieu refuse souvent de les délivrer des choses difficiles. It is that God sometimes refuses to deliver them from difficult matters. Tu verras que Dieu t'accorde beaucoup de grâces. You will see that God grants you many graces. Mais il ne te délivre pas de certains phénomènes que tu ne comprends pas. But it does not deliver you from some phenomena that you do not understand. Parfois tu penses que c'est ta délivrance qui est essentielle, mais lui il voit le contraire. Sometimes you think that it is your deliverance that matters, but God sees the opposite. Quand quelqu'un cherche le travail, when someone is seeking the work, the job, dit tout à Dieu, il cite toutes les promesses. He says everything to God. He calls all the promises. Mais il ne se pose pas la question. But he does not ask himself the question. Ceci serait-il une coupe amère que je dois boire? Will this be a bitter cup that I should drink? Jusqu'à ce que la volonté de Dieu se manifeste. Until the will of God get manifested. Ceux qui prient de cette manière, those who pray that way, arrivent à destination. They get to the destination. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il dit, parce que nous regardons non à ce qui est, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. He said, because we are not looking at the things that are not seen, but the things which are seen.
We are not looking at things which are seen, but the things which are not seen. Il dit car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. He said, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Ce que nous appelons souffrance là, that which we call suffering, s'appelle en réalité des afflictions passagères. In fact, they are called temporary afflictions. Passagères. Temporary. Il faut pas mettre l'emphase du sujet des problèmes. Je ne comprends rien. Do not lay emphasis on it. Je souffre trop. Saying that I have problems, I understand nothing. I'm suffering a lot. Quand Dieu pèse, quand Dieu pose ça sur la balance du ciel, deux grammes. When God put this on the balance of heaven, you are great. Ça pèse 2 grammes. It weighs 2 grams. Toi tu dis c'est un grand problème frère, je veux te voir. And you said this is a big trouble problem. Je ne peux plus supporter. Lord help me, I cannot bear it anymore. On dit il s'agit de quoi? Mets ça sur une balance. But when God puts it on the scale, 1 gramme. It is 1 gram. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Un gramme de difficulté pour un poids éternel de bénédiction. 1 gram of affliction for a weight of eternal graces. L'église doit être remplie de cantiques. The church must be filled with songs. On dit que la sœur qui a chanté tel que je suis est une aveugle née. Qui a déjà écouté ce témoignage-là? Who has already listened to that testimony? Tel que je suis sans rien à moi. Si on te dit que c'est quelqu'un qui n'a jamais vu le soleil, tu ne peux pas croire. If I tell you that the sister who sang that song has never seen the sun, you cannot believe. Elle ne se lamente pas. She does not lament. Elle chante la consécration. She sings consecration and obedience. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. C'est une aveugle née. She was born blind. Toi tu es là, j'ai des problèmes, parce que je veux te voir. And you are there, I have troubles, problems. Il y a une là qui s'appelle Obiège. Elle m'écrit les longues lettres. Elle a des problèmes. Et elle ne meurt pas. Elle est toujours là. Une année passe. Elle ne se pose même pas la question qu'est-ce qui m'a donné, qu'est-ce qui m'a gardé vivante. She does not even ask herself the question, what kept me alive? Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien. Tel qu'il est. C'est une fille née aveugle. It is. This song is from a girl that was born blind. Certains pensent que les sœurs qui chantent là sont dans le miel et se réveillent dans le miel. Some people think that the sisters that sing are in honey. Elles ont l'argent partout. They have money dans leur maison. In their houses. Et ils ont les visions de la gloire de Dieu chaque nuit quand ils se couchent là, ils ont la vision du paradis. They have the vision of the glory of God every day. When they lie down, they have the vision of paradise. Certains piétinent les épines et ils chantent en levant en disant ah, Seigneur merci pour cette épine. Some treat, they walk on thorns and they sing, oh Lord, thank you for this thorn. Et
Essaye d'étudier les psaumes. Psaume de David, quand il était dans la caverne, quand il fuyait Saül, psaume sort. Try to study David when he was in the hole, when he was running away from Saul. Et quand tu lis le psaume, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui fuit la mort. And when you read the psaume, it does not look like someone who is running away from death. Quand il a contrefait les sensés, il dit, je te louerai chaque jour. And he said, I will praise you always. Frère bien-aimé. Beloved brethren. Quand Dieu corrige un enseignement que toi-même tu as donné, c'est qu'il veut vous élever. When God corrects a teaching that you yourself gave, it's just because he wants to lift you up. C'est Dieu qui brise. It is God that breaks. Et dis-lui que je suis déjà un sacrifice. Tell him I'm already a sacrifice. Brise-moi. Break me. Après l'avoir livré en sacrifice, after delivering him into sacrifice, il l'a brisé par la souffrance. He broke him through affliction. Un sacrifice qui n'est pas brisé ne peut pas être utile. A sacrifice that is not broken cannot be useful. Ça sera une victime. Imagine un taureau qu'on doit sacrifier qui se balade dans les rues. Imagine a bull that should be sacrificed that is wandering around. C'est pour cette raison que Dieu dit, liez la victime et amenez-la sur les cornes de l'autel. That's why the Lord says, bind the sacrifice and take it onto the altar. Et si tu es donc sur les cornes de l'autel, so if you are on the horns of the altar, il faut que le feu descende. Fire must descend. La bénédiction en écoutant ce message, the blessing while listening to this message, c'est que Dieu dit, is that God says, si tu es son enfant, if you are his son or his child, il va te briser. He will break you. Ne t'inquiète pas. Do not worry. Personne ne dira que hey, j'ai raté le brisement. No one will say, oh, I have missed brokenness. C'est une action. Il y a des actions divines et des actions des hommes pour que le salut s'accomplisse. Le briser ses enfants précieux, c'est son propre travail. There are divine actions and human actions for the accomplishments of the salvation. Pierre dit qu'il fait ça pour que la foi soit pure. But brokenness is carried out by God himself, and Peter said that God does this for your faith to become pure. Je sois libre de ton œuvre. Seigneur, visite-moi, brise-moi. J'ai besoin de cela, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, être croqué sauvage. C'est aller de gauche à droite. Je veux marcher dans tes voies. Je veux te servir. Brise-moi, Seigneur. Oh Dieu, agis, Seigneur, dans ma vie. Manifeste ta puissance. Afin que je te sois utile, au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 14, Mark verset 14, 3. Verse 3. Tu peux lire jusqu'au verset 9. Read up to verse 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit,
Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous ne pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Le verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Ce passage est relaté dans tous les évangiles, Matthieu. This passage can be seen in all the Gospels, Matthew, John. Les autres n'ont pas mis le détail où la femme a rompu le vase. The others did not mention the detail about the fact that the woman broke the vessel. Pour verser le parfum sur la tête de Jésus. To pour the fragrant oil on the head of Jesus. Il a brisé le vase. She broke the vessel. Watchmani, comme le frère Zach. Watchmani, as well as brother Zach. Et d'autres commentateurs. And other commentators. Disent que pour que le parfum, pour que l'odeur se répande, il fallait briser le vase. Le vase là, c'est que ça correspond à l'homme extérieur. They say that for the scent of the fragrant oil to extend, to be expanded, the vessel was to be broken, and man, the outer man, represents the vessel. Fais tout. Do all. Pour expérimenter le brisement de ta carapace, de ta coquille, de ton moi, de l'enveloppe qu'on appelle l'homme extérieur. You must do all to get rid of the envelope that we call the outer man. Et la vraie vie de Dieu va sortir. And the true life of God will come out. Et il y aura du parfum. And there will be fragrant oil. C'est avec ça qu'on bâtit l'église. C'est avec ça qu'on gagne les âmes. It is with this that we build up the church, and it's with this that we win souls. C'est, si l'on va un peu dans le domaine de la délivrance, c'est quand l'esprit est libéré qu'on guérit de certaines maladies, comme le faire pipi au lit. If we want to go further at the level of deliverance, it is when the spirit is released that you can be healed from some sicknesses like urinating on a bed. Ou bien parler distinctivement quand tu es dans le songe. Or speak quand tu rêves. Distinctly when you are having a dream. Quelqu'un qui rêve, qui dit, mais laissez-moi, c'est quoi, hein? Somebody who is dreaming and he said, let me alone, what's the matter? Ça veut dire que il y a son esprit est un amalgame avec son corps, son homme extérieur. This means that his spirit is confused with his outer man. Un homme normal. A normal man peut rêver qu'il est en train d'uriner. Can dream that he is passing water sans que ce soit physique. Without it be physical. Dès que c'est en rêve et dans le physique, c'est que tu n'as pas la libération de l'esprit. If ton esprit n'est pas séparé de ton corps, de ton âme. If while you are dreaming that you are passing water and this happens physically, it means that you do not have the release of the spirit. Si quelqu'un perd la joie parce que il vient d'entendre une parole ou bien il vient de voir quelqu'un, il perd la joie et son repos.
il n'a pas la libération de l'esprit. If someone loses, he loses joy because he has seen someone or he has heard a word, it means that he does not have the release of the spirit. Si quelqu'un exige un calme total pour être heureux, il n'a pas la libération de l'esprit. C'est-à-dire sa vie intérieure dépend de la vie extérieure. Or, l'extérieur est toujours bruyant. If someone demands a total calm, then there is, for him to be happy, then there is a confusion between his outer man and his inner man. Quand tu as expérimenté la libération de l'esprit, tu entretiens ça. When you have experienced the release of the spirit, you must take care of it. Tu peux entrer dans une maison. You can enter a house. Tu pèses la maison. And you weigh the house. Tu peux sentir. You can feel qu'il y a l'oppression. That there is oppression. La Bible dit Jésus connu par son esprit. The Bible says that Jesus knew through his spirit. Il y a des choses que tu dois connaître par ton esprit. There are things that you must know by your spirit. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frères, brethren, ce sont des lois. These are laws. Quand on parle déjà du perfectionnement, when we talk about perfectioning, de la maturation de l'homme, of the, when we talk about the maturation of man, on ne peut pas aller sans ces choses. We cannot go without those things. Sans brisement. Without brokenness. Si tu n'es pas brisé, if you are not broken, on te donne une assemblée d'une personne. You are given an assembly of one man. Si tu as tué, if you kill, c'est vain. It's 20, 20, 25, 2 years, sans multiplication, without multiplication, pas de fruit, no fruit. Tu laisses la colère le matin. Tu laisses la colère le matin. You leave anger in the morning. Tu l'embrasses à midi. And you take it at midday. Et tu demandes pardon le soir. And you ask God to forgive you in the afternoon. Ça sera comme ça. It will be like this. Du haut, le haut en bas, du haut up, en bas. Du... Up and down, up and down. Il y a une formule divine. There is a divine formula. Il te casse. That breaks you. Et il va le faire. And he will do it. Parce qu'il dit. Because he says. Il s'est donné. He gave himself. Pour se faire un peuple qui lui appartient. To make himself a people. Et lui ne travaille pas en vain. And he does not work in vain. Tout ce qu'il accomplit là. All that he accomplishes. Voilà où il est arrivé avec toi. To see where he has come to with you. Qu'aucun démon ne te trompe qu'il va se fatiguer. Let no demon deceive you that he will get weary. Dans Isaïe 42. In Isaiah 42. Il a dit. He said. Il ne se fatiguera point, il ne se découragera point jusqu'à ce qu'il fasse triompher la justice. He will not be discouraged until he makes justice triumph. Et il dit, même s'il te trouve cassé là, even if he finds you broken, il ne va pas t'achever, il va restaurer. He will not, he will save you. S'il trouve un peu de fumée, que on a éteint le feu et les braises là, il y a que la fumée qui monte, il va l'allumer. If he finds a little smoke, he will make it light, he will light it. Si tu veux rétrograde un peu et tu t'approches de lui, il va te restaurer. If you like, dit amen. Joue le rétrograde, tu t'approches du Seigneur, tu verras ce qu'il va faire. Just play backslider and come near the Lord. You see what he will do. Il ne va pas dire qu'il s'amuse. Il va te restaurer comme si tu ne t'amusais pas. He will restore you as if you are not joking. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Acclame. Let's clap for Jesus. C'est
C'est pour cette raison que même après avoir brisé son fils, il y a une autre prophétie qui disait, il ne permettra point que son nom voie la corruption. That's why, even after breaking his son, there's another prophecy that says he will not allow his son to see corruption. Il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. He will not allow you to be tempted beyond your strength. Never. Ça veut dire que ne crains aucune tentation, il n'y a rien derrière, il n'y a rien. Tiens ferme. Do not fear any temptation. There's nothing behind. Stand firm. Jésus ne t'abandonnera jamais. Jesus will never abandon you. Si tu entends le bruit comme le frère Arnaud a illustré un jour, le diable vient, tu t'arrêtes tranquille. If you hear noise is as Brother Zach made the illustration one day, the devil come and make noise. You stand. Après. And after. Tout s'éteint. All is quenched. Ne crains rien. Do not fear anything. Mais. But. Discern. Quand sa main sera sur toi. When his hand will be upon you. N'accuse pas les hommes. Do not accuse men. Il est à l'œuvre. He is at work. Pour que tu sois parfait. For you to become perfect. S'il a fait à son fils comme quelqu'un priait. If he did it to his son as someone prayed. Si tu es son fils. If you are his son. Tu ne vas pas échapper. You will not escape. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.